là il y a un pile bagaille un pile ONG débarqué mais que faut raconter sous douette pour combien la latrine qui construit vraiment c'est-à-dire que parce que pas gain interlocuteur quand ONG apparaît dans zone là mon n'a plus se branché sous peut-être qui avantage immédiat mais il va même cap proposer et cette ONG en question mais ça nous même nous gagne comme vision mais ça nous voulait faire etc. Donc fait que rien pas fait vraiment sinon que des petits bagages ponctuels et d'urgence on y a sous passé dans le département on va prendre compte que quelque chose qui était après le clone ces pieds bois ont commencé à repousser avec la caravane on bagage dans ma front et puis quelques kilomètres de route que fait du côté de Pafouzabouka-Pistel et mais pas vraiment gagné l'impact du passage des ONG parce que pas bien suffisamment d'interlocuteurs moun qui pouvait venir avec des bagages précis pour dire moun sa yo qui vini en coopérant sa yo voilà ce que nous voulons mais ça ne table fait et puis fait que tout bagage ça va passer comme une sorte de OK m'a signalé que c'est pas responsabilité ONG en soi. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc, dans le cas ça, gagner l'État, qui supposé assumer responsabilité, dans quel sens l'État présent au niveau de Grand Danse et aucun bon présent soutenu après Mathieu? Bon, moi j'ai toujours dit que le premier travail que l'État a gagné pour le faire, c'est le renforcement des institutions qui représentaient l'État, c'est-à-dire à travers les communes. Et la mairie, et les institutions étatiques. Mais il faut qu'ils renforcent les gens, premièrement par la formation, par une conscience patriotique aussi, parce que tout le monde a un gros problème dans le pays. Hein. Les gens des personnes ayant des visions qui campent sous terrain, mais où est zone développée. Par exemple, imaginons, par exemple, qu'on doit pas être dans une zone, il y a des côtés, par exemple, vous voyez 15 sacs d'iris. Si nèg la pa gagné famille qui pou joindre tout 15 sac d'ira, redira gen doit arrêter pourri dans zone là. Parce que tout simplement que les gens et puis il y a des élus qui tellement comme si m'ta dou coincé au niveau d'esprit et yo toujours dou c'est moun qui t'ai voté pour yo bail. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont vraiment aucun rapport étroit avec population. Parce que quand vous avez été aux élections ou élu eh bien, même si c'est trois mondes qui est lourd, vous représentez la communauté. Donc, par conséquent, s'il y a quelque chose qui arrive dans la zone, vous pas capable de décider, c'est monde qui te vote au bout et puis reste là, c'est et c'est bagaille en tant que ça gagne dans la mentalité haïtienne. Même parce que je dis à l'État, c'est une ouverture au niveau des mairies, tout un programme de formation des mairies, des cas avec tout, tout un programme de formation sur la responsabilité. Responsabilité et civile, la responsabilité citoyenne, c'est-à-dire comment on construit une société. Pour que les types de bagages aillent passer, tout c'est pas dans la désolation qui était nous. Mais Dieu merci, je peux dire aujourd'hui, de la Grande Danse est en train de renaître de ses cendres. Okay. Parce que, à travers le département, on voit que Pied-Bois a commencé à repousser, qu'il y a un véritable cap paraît de etc. Et un véritable très important pour mon département. Mais cependant, cela ne suffit pas. Aujourd'hui, l'État doit pouvoir faire des interventions à travers les ministères, mais par le canal des représentants de l'État dans la zone. Ndabalmando, par exemple, qui ont. Les conditions de vie population capable d'améliorer. Qui ont évalué plaidoyer élu, et dans ce sens-là, on parlait. Notamment de magistrats, je m'a parlé de députés qui sont dans le département et je m'a parlé de sénateurs Grand Nation. Bon, au bon problème, c'est structure que vous mettez d'abord dans le genre d'institution. Vous voyez, quand j'étais au Sénat, j'avais proposé à ce que dans chaque département, je ne pas dire un relais du Sénat, non, mais on sorte de bureau côté que. Les décisions prises au Sénat de la République
puisse être relayé au niveau des départements. Même pas c'est que c'est même pas la députée eux ils ont plus autour, mais c'est des gens avec une certaine compétence pour t'a mettre dans bagage ça qui t'a permettre que même leur aller il y a un suivi qui se fait. Je dis a pas de suivi parce que depuis nèg la élu c'est penser le commencer à penser comment il va le réélu encore. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il ne voit que lui et lui seul. Et moi, c'est ça son bagage extrêmement grave parce que ça vous bagage ça détache de la communauté. Il détache comme s'il a de problèmes réels communauté. Là que on vous met son couche permanent obtenu pour réélu. Or, je dis à moi que vous devez considérer votre passage dans n'importe quel poste de l'État comme une étape de service. Ou servi qu'on y a, ou servi pendant 2 ans, servi pendant 3 ans, servi pendant 4 ans. Si maintenant vous ne servez plus, mais vous continuez maintenant à partir de vos expériences pour aider la population à continuer à avancer, sans que vous ne preniez ou mettez le nom sorte de tour d'ivoire ou un d'ado avancer. Je dis même parce que les élus devraient pouvoir être plus relax, j'ai envie de dire. Ça veut dire un petit peu plus ouvert pour que vous connaissez, nous pas qu'à continuer à faire une population en miettes monceau, entre partisans X, partisans Y, partisans Z. Ils sont tous des citoyens et des citoyens qui vivent dans des conditions. Mais, si vous avez, frère, bon, ou même vous êtes en province ou qu'on bagaille, mais les gens vivent dans des conditions presque infrahumaines. Donc, par conséquent, on est élu pas capable de payer le luxe pour la continuer à diviser ces gens de gens avec ce qu'ils ont, comme on a capable de dire, ils ont presque pas gagné dans mes yeux. Je dis à c'est le gars, c'est l'unité de la population haïtienne. C'est plus une sorte d'esprit de fraternité, de solidarité pour nous prêcher dans le pays, hein, mais pas division ou bien du. Chaque coucou, je clairais pour genoux, j'en appelle là. Il faut que les Haïtiens apprennent à vivre et à partager ce qu'ils ont en commun, mais c'est pour ça fait dans l'esprit de convivialité décente, pour prendre clair. Même parce que c'est ça pour nous faire, je dis. C'est ce que je recommande généralement aux élus pour me dire que c'est vrai, vous êtes élu, vous avez bien réméré élu encore, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la population. On nous fait une façon que, parce que toute société mérite alternance, tout. Donc, par conséquent, où est l'Ujodia ou pour ton contribution, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, eh bien, tant mieux. C'est pour cette raison que vous vous rappelez, j'étais candidat mal à l'élection, je n'ai pas passé, mais je n'ai pas été dans ce bagaille, dans contesté, c'est bagaille. Je donne à chacun. Et puis, s'il peut faire mieux que moi, tant mieux. Parce que, pour moi-même, je dis à me penser que, faut qu'on n'est pas tellement orgueilleux pour penser que c'est celle ou même qui a fait. Oui, tout à fait. Et dans ce sens-là, et sans que je ne bave entrer dans aucune logique de polémique, mais juste pour, d'accord, une appréciation de travail, monde qui remplace Oyo, comment juger et prestations. Sénateur Grandanceux jusque-là, en tant que citoyen Grandanceux. Bon, écoutez, là, on t'a pour le sénateur. Sorel Jacinthe. Sorel, par exemple. Sorel a été député à plusieurs reprises, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est connu, zone côté de Sotia, le plus bon qu'on est. Donc, par conséquent, c'est à lui maintenant d'améliorer ses qualités de prestation. C'est-à-dire que quand vous avez été député, vous êtes devenu sénateur, donc vous venez nous citoyens. Conseil de bagage, il faut dépasser, il ne faut pas qu'à dépasser. Si vous êtes par exemple dans la pratique qui coule toujours, c'est qu'on n'est pas citoyen, on n'est pas pour ton contribution. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur la façon dont ces gens fonctionnent, mais il suffit de voir comment ça marche au niveau de l'administration publique. L'administration publique, à ce qui s'allie. Eh bien, les nègres là, sénateurs, ou bien le député, ou bien le magistrat, m'a connu, eh bien, ils pensaient que ça revenait de droit. Ils chassent au monde, ils mettaient, et ils font, mettaient pour lui comme directeur départemental, et puis ils coupent rage. Ça veut dire que, parfois, ils révoquent, etc. Moi, je pensais que, ben, ça, ils niaient. Ils niaient, et puis,
yo pas rendre pays à service. Vous voulez dire qu'on baille comme ça? Vous voulez dire qu'on baille comme ça qu'a passé là? Pardon? Vous voulez dire qu'on baille comme ça qu'a passé? Bon, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que bagaille aux gens yo passé à ça des deux qu'on est que depuis les là par exemple monté comme sénateur, mais non lutte pour le mettre en directeur départemental, directeur départemental là soit pour nommer moun bouli ou bien pour évoquer moun équipe. Pourquoi le système non? Mais même ça me l'a dit. On est dans coup par exemple sénateur Yassin, lui il venait au niveau faut le quitter bagaille ça. Il pas là dans encore. Je dis à là c'est le rassemblement des grandes clés qui vous faites, il pas capable pointer du doigt comme si on a douté, ça c'est partisan X, ça c'est partisan Y. Faut bagaille ça au fini. J'espère que l'équité est tombée. Bon, pour ce qui concerne l'autre sénateur qui est un membre de l'organisation politique comment il s'appelle Jean-Hugo Bélizer. C'est moi qui ai appelé sénateur, non sénateur Gamissa. Il est membre de l'OPL. Bon, il devient député. Et puis, bon, on connaît, bon, il fait des ordres. Il est allé dans l'autre camp et puis il est tombé à faire mentir dans le pays, etc. Bon, mais ceci étant dit, nous n'avons rien à voir. Alors sénateur, sénateur Babda, quoi, que je ne pas tout campo pour me demander qui mentit le marché fait dans le pays. Mais je prends le cas par exemple de l'arrestation de Guy Philippe. Moi j'ai vu le sénateur lui-même, je l'ai entendu à la radio, qui dit que c'est moi-même avec Sorel Yassin qui fait arrêter Guy Philippe. Ok. Et tandis que je n'ai aucun rapport avec Guy Philippe. Donc c'est un mensonge. Ok. Alors Campo dit que j'ai été sénateur et que je ne suis pas rien dans le département. Tandis que deux tiers de Timoun et dans l'université. C'est nous-mêmes qui avons supporté. L'effort de la construction de la route de la Grandence a été réalisé grâce à notre intervention au niveau du Parlement lors de la nomination de Mme Pierre-Louis qui fait que la route de Grandence a commencé. L'université aujourd'hui a vu le jour à partir de notre intervention. Aujourd'hui, toutes les communes du département de la Grandence sont dotées d'écoles secondaires qui permettent qu'il y ait des universités. Alors, quand vous dites ça, vous êtes en train de mentir à la population. Alors, aujourd'hui, moi, je veux que les élus reconnaissent que faut que nous essayons de fonctionner l'autre gens au bénéfice de la population. Mm-hmm. Moi-même, je pense que, et vous connaissez le fait que vous êtes sénateur, que vous avez l'expérience que vous avez fait. Par exemple, l'offre flèche soit fait de by job, etc. Ou d'accord, même sénateur, je ne sais pas pourquoi vous avez fait deux mandats, pas de by job tout. Si vous avez by job? Hein? Bon, ça dépend. C'est-à-dire que, imaginez-vous, par exemple, je pense que vous étiez journaliste, vous avez suivi mes interventions. J'ai toujours voulu à ce qu'on arrive à un système de recrutement, un système de concours. C'est tout ce que je veux. Pour les postes importants. Pas pour les ménagères, pas pour les bagages, mais les postes importants devraient être, comprendre et signaler et permettre de participer et de prendre sa chance. Même si pour tout type de bagages, ça remet. Mais je dis à la par exemple ce qui se passe. Je pense que les élus de la Grandence, que les députés, que pas seulement de la Grandence, du pays, je crois qu'ils devraient freiner l'activité dans ce sens-là, permettre au gouvernement, à l'exécutif, de pouvoir installer un système de gestion à travers l'administration qui a un caractère équitable, vous comprenez, c'est-à-dire pour que population suspendue que il y a que les favorisés et qui bénéficient. Par contre, les gens, une fois qu'on inscrit non liste de défavorisés, ou pas qu'on besoin. Moi, je crois qu'il faut donner de la chance à tout un chacun, permettre aux gens de fonctionner librement à partir de sa gain comme capacité. Vous aviez dit, est-ce que j'ai laissé de faire? Moi, j'étais sénateur pendant une dizaine d'années. Mais demandez par exemple dans le département de la Grandence, si même un jour, c'est un monde qui était essayé, qui t'a dit ou que il a perdu son job, c'est à cause du sénateur Richer. Au contraire, j'ai essayé de renforcer toute
capacité que moi gagne dans département pour que normalement yo aller dans sens ça consolider mon dans ça la fait cap servir pays cap servir l'état et je dis à ma c'est la même chose que je conseille à mes et à au sénateur de la République par exemple le sénateur Sorel qui a passé toutes ces années à, au service de population hein, rappeler lui pour que normalement les bons comportements de Comtinadou bon qui permettent que il y a une page qui est tournée cette affaire de lutte contre X Y Z pour nous finir avec lui c'est plus la population qui doit être visée c'est la population qui doit être servie c'est la population qui doit être d'accord est-ce qui que bénéficier d'accord est-ce que après Mandorlan et ou plus au monde qui n'a qu'à dû mettre en réserve de la République, une façon de parler, puisque quand même, on va en consultation à l'équipe qui l'a. Ah. Même besoin de regarder, est-ce qu'on parti ou à militer là-dedans? Si on parti? Ou à militer. Mais je dis que vous êtes un gros journaliste, même pas comprendre comment on fait pas qu'on est que je suis le coordonnateur et de l'OPL dans le département de la Grandeur, c'est que je viens juste de laisser la fonction de conseiller, grand conseiller, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais cependant, ce que je fais, je milite en tant qu'organisation politique. Mais je ne veux pas militer seulement au sein de l'OPL, parce que moi, mon souci dans le pays, je dis, moi, pense que la question politique est tellement importante que si aujourd'hui, je peux donner un coup de main dans la réorganisation du système de gestion du pouvoir à travers le pays. Moi, je suis prêt à le faire sans complaisance. Mm-hmm. Parce que moi, je pensais qu'à un certain moment donné, j'ai milité en tant qu'un militant de gauche. Mais aujourd'hui, moi, je pensais que le pays a besoin que nous fassions chute, attendez. Et c'est ce que j'espère que M. Seyan va faire. Belle idée. Pourquoi il est devenu pour arriver là. Non, attends. Mais regarde maintenant là. Ou pas besoin qu'on atterrit là. M'a fini sur. Non, qu'il est fini, non. Pas fini, ça m'a bien. Mm-hmm. Nous, c'est ce que j'espère qu'il fera s'il devient Premier ministre et poursuivre l'initiative lancée par le président de la République, à savoir sur les États généraux, parce que Jodia Péia a souffri d'une lacune de dialogue, une lacune de mise ensemble des les visions nécessaires capable de déraciner ce sous-développement chronique. Mais pour qui ça me dépose aux questions, sénateur. Vous connaissez son pays, côté que chaque jour, quoi, ça répond nègre, il était là, ou pas, on voit qu'il est de l'autre côté. On va y donc, je suis sûr que je parle avec sénateur Richer qui est toujours dans OPL. Maintenant, est-ce que OPL, peut-être qu'on a dit mon grand monde, ou fait choix, mais est-ce que OPL, autoriser que pendant que ou c'est membre ou membre influent responsable parti à Nagandans pour que parallèlement ou en dans pouvoir. Mais je ne suis pas dans le pouvoir, je ne suis pas dans le gouvernement de monsieur Jacques Lafontaine ni dans le gouvernement de monsieur comment il s'appelle monsieur non beaucoup dans Seyan on parle de Jovenel Moïse là. Hein? Non, je m'a parlé de Jovenel Moïse avant. Non, Jovenel Moïse ne fait pas partie du gouvernement. Jovenel Moïse est c'est quelqu'un qui a été élu comme président de la République. Il peut, comme il veut, demander à n'importe qui l'estime être son ami. Est-ce qu'il peut lui donner un coup de main? D'accord. Donc c'est sur la base de amitié avec Jovenel Moïse qu'on a. C'est sur la base de votre amitié avec Jovenel Moïse qu'on a parlé. Je ne suis pas au palais, moi je dis ça déjà. Non. Je te dis que. Au palais, non, palais, chaque jour, sénateur. Je donne un coup de main à Jovenel et j'aimerais qu'il réussisse. Et j'aimerais que. Parce que m'estimer que Jodian, non, pays d'un quoi ici, quand vous avez des hommes dans vos Jovenel, même les gens d'un qui sortent dans les recoins du pays, qui accèdent à la première magistrature de l'État, et qu'ils ont ramassé derrière tout somme d'expérience de misère que le peuple a souffert dans le pays, nous devons avoir une chance pour nous voir effectivement qui boit à privé. Malheureusement, ça n'a pas jamais fait dans le pays. Il y a toujours eu des démêlés sans importance qui permettent que
aucune construction valable pas qu'à faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Jovenel a été élu président de la République. C'est pas c'est monde qui t'a voté lui au hôtel, même si vous dites que le pas de 15 millions de monde qui t'a voté, eh bien, de toute façon, quand on a fait le décompte des voix, il a été élu, eh bien, il doit avoir sa chance et les gens de l'opposition doivent se dégager pour qu'il y ait une certaine alternance. Si il y a besoin d'entrer dans le pouvoir, il faut qu'il construit. Si c'est voix ça nous choisit, maintenant, si on choisit une autre voix, tant mieux, mais si c'est voix ça nous choisit, c'est-à-dire qu'il y ait des élections, eh bien, avançons dans le même sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je crois que les partis politiques doivent se renforcer, consolider tête, mais pas dénaturer l'esprit de construction de vivre ensemble que le pays a besoin pour permettre que nous avancions. Parce que là, nous avons la confusion totale. Parce que pour qui sa question est importante, sénateur, et d'abord, l'homme t'a parlé de ou même qui, par rapport à pouvoir, je dis pouvoir, je ne dis pas gouvernement. Et comme de fait, ou si ou d'accord, ou pas quand t'es dans le palais, ou pas grand badge, ou pas quand t'es dans le palais, c'est que non pas son liste. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quelque part, c'est ou même ou son conseiller du président, donc quelque part, ou a tout honneur. Non, que... ou quand t'es dans le palais, tout, oui. Il y a bon badge sans barrière. Non, on m'a parlé de ou même qui ou même qui contrairement à fait. Ah, mais c'est quoi, Magaï? Ce que moi j'aimerais, par exemple, quand tu prends un journaliste chez vous, n'est en coup. Et que WAP font intervention, par exemple, pour consolider le pays. Les questions qu'on voulait poser, est-ce que c'est des questions de chicanerie ou bien des questions qui allaient vers une certaine construction? C'est pour garder Mario Pouet. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais une intervention avec quelqu'un? Est-ce que c'est pour faire de la chicane ou bien est-ce que c'est pour ton éclairage de compréhension? Regarde par exemple les questions que WAP posé. Regardez-vous, qui est objectif? Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, le pays se trouve dans un carrefour où que les idées sont extrêmement importantes. Maintenant, si tu fais une interview avec quelqu'un que tu estimes qu'il y a une certaine expérience, avantage que donc, pourquoi, c'est par exemple, éterniser sur des choses et discussion avec un côté. Okay. Pourquoi ne pas éterniser peut-être sur des points capables de. Bon, sénateur. Attends, m'a fini. Pourquoi ne pas essayer de faire ça? Au lieu que vous persistez, par exemple, un type comme vous, journaliste, ça fait plusieurs années que vous évoluez dans le système, dans le circuit. Aujourd'hui, je crois que votre apport doit être un apport constructif, donc pas conséquent. Lorsque vous pérennisez sur des choses qui n'ont pas d'importance, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui serait, par exemple... Mais vous finissez tout. Ou est-ce que vous faites pour un an, mais vous faites mal. Non, c'est point en ma faveur. Vous faites mal, mon cher. C'est que normalement, c'est qu'elle doit être l'apport. C'est lorsque ça va exemple, sur des choses personnelles, individuelles. Mais ça rapporte quoi à la nation? Qu'est-ce que ça vaut de l'an? Non, m'dame, n'est-ce qu'on est? Sénateur. Parce que Jodia, là, faut évoluer tout. Sénateur, ma... Parce que vous que Jodia... Vous ne pouvez pas vous mettre au même niveau que n'importe qui continue qu'on a même qu'à poser des questions. Il faut qu'aujourd'hui, que des interviews aussi importantes que tout pays attendait soient quelque chose de constructif pour le pays. Ok, d'accord. Non, mais. Non, nous avons pile de temps à faire ça. Nous ne pouvons pas imposer, nous le tout. Mais, vous connaissez, moi, pas la voix. Donc, on apprend tout à l'heure, mon gars. Oui, c'est certain. Surtout de où. Alors, bonjour. Avantage que je n'ai pas fait une émission et qui dure 5 minutes, je n'ai pas le temps devant. Donc ça veut dire que. On a parlé. Moi, avant, nous avons fait un nous parler, nous mangeons des poissons, nous songeons, nous mangeons des poissons, nous, bah, comme ça. Bon, maintenant, bon, je dis, nation, tout le monde a que le besoin qu'on a. Et pour comprendre, sénateur, il y a des éléments qui sont importants. Il faut me garder à qui je parle, il faut me garder et qui ça, réflexe, les cahiers, etc. Parce que je vais entrer dans le séant, je vais entrer dans l'autre point qui prend la perspective pour le pays. Bon, Mando, nous avons vécu l'après 6, 7, 8 juillet. Je veux qu'on ait un monde en courant de tricher. Est-ce que, qu'on sollicitation quelconque a été fait à lui par rapport à la décision que vous avez prise? C'est pour qu'on comprenne.
reste ça qu'a venir. Est-ce que l'heure t'a pas prendre décision monter Gaza par exemple, est-ce que t'es sollicité André Richer ou bien est-ce que quelque part t'es gon un conseil quelconque ou t'es bail dans période ça? Dis-moi une chose, par exemple ou même en tant que ou c'est journaliste, est-ce que vous pensez que s'il y a une affaire ou sautement de m'aller par exemple quel type de rapport que j'ai avec le président politique? Maintenant, le par exemple, je peux intervenir sur les retombées politiques. Mais par contre, quand il s'agit de monter plus gaz, de monter ceci, etc., ça c'est des choses à voir avec le ministre de l'économie et des finances, mon qui dans le système, nan, comment baromètre économique la monter. Mm-hmm. Mais écoutez, mais je vais vous dire quand même ma position, cette affaire de prix de gaz. Prix de gaz là, vous dit que il charrie ça le charrie. OK. Et va moi dire les alliés. Bon. Mais c'est ça va dire là c'est avant m'a parlé. Yeah. Mais ça me dit par exemple. Est-ce que d'après vous même vous pensez que quelle que soit la situation, on devrait arriver à une situation pareille. L'arrivée là dans le jour d'hier là par exemple. OK, il fallait monter le prix de gaz, peut-être que il n'y a pas eu suffisamment de consultation, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion. Ok, ça fait, et puis l'obo ça a pété, je vous dis à là. Ça a servi à qui? Ça a servi qui est? Population, bon, entre-temps, il y a un paquet de monde qui fait des jobs dans le pays, et les prix des produits de première nécessité n'ont pas augmenté au niveau gaz, c'est sous l'autre niveau, etc. Moi, je pense que quand on fait de la politique, c'est peut-être tout pour faire travail, vous cherchez si vous entreprenez telle action, quels seraient les bénéfices et quels seraient les inconvénients. Moi, je pense que c'est ça que vous avez fait dans le pays. Et c'est ça qui fait que j'ai toujours proposé à ce qu'il y ait une instance de dialogue permanent dans le pays. J'ai proposé qu'il y ait cette instance de dialogue avec tous les secteurs de la vie politique de ce pays. Ça ne veut pas dire que normalement, vous n'avez pas à voir la marcher. Mais on peut toujours dialoguer pour avoir des feedbacks. Parce que le processus de la gestion de l'État, c'est permettre que tout citoyen joigne satisfaction. Mais par contre, et l'aime dit tout citoyen, quel que soit dans le secteur, mon ailleurs. Je dis à moi, je pense que ce qui s'est passé au niveau de, au début du mois de juillet, ça a été quelque chose d'extrêmement grave pour le pays. Hein? Le pays a pris un pile de temps pour le sortir là-dedans. Et c'est pour cette raison que moi-même, je pensais que je dis hein, la nécessité du dialogue devient de plus en plus nécessaire, impérieuse et on bagaille capital pour le pays. Faut que nous cherchions ensemble parce que nous ne pouvons pas mettre quiconque au dépourvu. Parce que là, pour un pays qui n'a misé dans l'état ça, et qu'on saccage, mais l'on saccage là, ou bien augmenter le nombre de misères là. Alors à ce moment-là, il y avait la possibilité de dialoguer pour trouver une entente, pour nous, qui j'en ai qu'à faire tel bagage. Mais quand ton ambition, c'est de haute moi que je m'y mette, ou bien remplacer ça, par exemple, par le discours que j'entends, oh oui, etc., un tel son cadavre, tel son ceci, faut que l'image est portée, etc. Mais les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Dans un monde civilisé, dans un monde organisé. Moi, je pense que je dis, c'est pour nous chita chercher solution pays. Parce que, il y a un bagage qui est bloqué dans le pays au niveau de notre mentalité, au niveau de notre façon de penser. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il faut y trouver une solution au bénéfice général. Moi, noté que si c'est octobre décidé, je suis sûr que c'est sûr, certain que vous ne pouvez pas taper. Ben, il conseille pour monter gaz là. Maintenant, réalité à vin s'allier. Hein? Ben, écoutez, on ne donne pas un conseil. Écoutez, mon cher, un conseil pour monter plus gaz là, ça veut dire. Ce serait du terre à terre. Et puis, ce n'est pas comme ça que les choses se passent au niveau politique. Mais il y a des droits, par exemple, il y a telle faiblesse au niveau de rentrée à partir de ça, il y a rien fait, etc. Il y a dit que vous parlez dans la direction ça. Maintenant, ou bien doit arriver pour heurter en position, ça va permettre que, et c'est pour stage, laisse ça ou bagaille là, et moun yo pas adhérer là-dedans, pour gagner assez de courage, mm-hmm. Et c'est ce que je crois que le président de la République a fait, pour gagner assez de courage pour faire un retrait.
et aujourd'hui l'offre retrait maintenant c'est pour chercher parce que rôle en tant que responsable c'est d'améliorer conditions de vie population mais pendant que on va pas améliorer conditions de vie mais faut que la population aussi soit informée sur les capacités de rentrer pays par exemple pays il pas bien rentré il pas bien rentré à part de douane avec DGI qui bail aussi bagaille mais pays a besoin rien et donc par conséquent ou une population tout cas augmenter chaque jour qui aujourd'hui voisine autour de 11 à 12 millions de monde donc tout type de bagaille ça il faut éclairer l'antenne population sur tout donc si effectivement vous voulez bon économique à fonctionner il faut que les gens aussi gagnent la notion de la participation citoyenne et participation citoyenne non l'y passer dans le paiement des impôts l'y passer par exemple dans l'encouragement d'autres services etc donc moi même pense que faut que normalement qu'on travaille d'accompagnement de construction de démocratie de respect des droits des individus qui fait à travers type d'émissions à eux qui permettent que population l'y ont une appréhension réelle de comment pays à vivre parce qu'aujourd'hui le pays n'a rien comme ressource mais par contre mais avec une participation c'est parce que le pays a gagné comme ressource qui fait que gain en pile discussion qu'a fait Saint Richer pour que gain une gestion rationnelle qui fait de ressources paysan et c'est ça nous gagner absolument et politique d'austérité que un pays haïtien t'a souhaité a, et ouais qui scandale ça fait parce que le gain tout privilège le gain gagote qu'a fait dans l'argent yo problème n'a vienne présenter comme ça et justement qu'on sorte de ras-le-bol général et généralisé qui fait que grand pile monde qui estimait que bon ensemble de institutions notamment le parlement qui budgétivore qui malheureusement concentré en pile moyen en main alors que population pas joindre rien et en retour véritablement yo reproché au niveau de l'exécutif tout par rapport à des dépenses peut-être yo estimé qui capable très farfelu qui fait et que yo pas rationnel gestion pas rationnel donc c'est tout ça qui mettait nous dans marasme économique ça qui fait que abgon soulèvement qui fait ou senti que pays a c'est en poudrière à n'importe qui moment capable exploser maintenant en rentre dans actualité à lui-même et je dis hein, j'ai mais avant rentrer dans actualité hein, est-ce que m'ka di ou un petit point seulement pour soulever l'âme d'âme peut-être c'est ça m'passé allez-y. Moi, je pense que dire que le Parlement est budgétivore, moi, je pense que, je dis, hein, on est qui parlementaire, qui député, qui sénateur, ça ne veut pas dire pas qu'il y a un qui vient de l'Éthiopie, longue façon l'autre. Mais je veux dire, aujourd'hui, responsabilité tellement de proximité. Par exemple, on est qui sénateur. L'autre dit, par exemple, il y a 5 000 gouttes, ou bien 10 000 gouttes, ou bien 20 000 gouttes, non, mais un exemple. Mais n'est-ce pas? Si effectivement, il est un. On a un bon exemple, par contre, vrai chiffre. Pardon? On a un bon exemple, par contre, vrai chiffre. Pas d'avis, un dessin de Liban. On ne sait pas un million de gouttes, comme c'est un million habité, bah, un million gouttes. Non, prends un million plutôt, pas un million plutôt, pas 5 000 gouttes, pas un million par exemple. Pardon? Pas un million par exemple. Combien habité, bah, un million, pas un million. Pour un million. Un pour un million. Un million de gouttes. OK. Vous êtes élu dans un département, par exemple, comme la Tibonite. Côté que vous avez combien de milliers de monde qui vivent là-dedans. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un de sérieux, je dis à vous avez à votre disposition un million de gouttes. Mais quand on vous donne ces un million de gouttes, je suis sûr que vous baoul pour un bagage bien précis. C'est-à-dire, c'est soit un événement, soit l'ouverture des classes qui prend le fait de boire un million de gouttes. Millions de gouttes qui sont faits avec elle, vous identifiez tous les enfants défavorisés qui viennent généralement soit devant la CAI ou dans le monde. Et sénateur. Non, Wall sénateur. C'est Wally. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis toute ma vie. Et me fait et le réussit. Je veux dire, quand vous avez quelque chose en main, vous devez aussi apprendre à partager. Parce que vous êtes un élu, les gens viennent directement vous voir. Et là, vous venez voir là, ou pas qu'à dire, allez, ma paix d'ouvrier. Il faut que vous agissiez avec. D'accord, mon frère. Okay. Comme pasteur, tu as dit, avez d'ouvrier. Tout comme ça. Comme pasteur, tu as dit, avez d'ouvrier quand même. Ou est-ce que je suis réaliste? Oui. Oui. Bon,
non, alors ça me vle, non, mais sous point ça, honnêtement, hein, sénateur, et c'est peut-être que parce que nous entrons dans la logique ça, qui fait que Mounio vine sous les. Si chaque le, par exemple, Mounio connaît comme la main ouvrée, c'est normal, vous venez déjà nous? Bon, Mabdou Mbagay, Mounio connaît parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de discours farfelus qui fait autour de lui. Même parce que moi, j'ai été, par exemple, à Port-de-Paix avec un sénateur, l'MT sénateur. Mais j'ai vu de mes propres yeux, et sénateur, ça, c'était sénateur et Beauplan. J'ai vu de mes propres yeux comment que les gens sont venus solliciter le sénateur. Mais l'Elvin sollicité, c'était à l'occasion d'une fête de 5 et 10, comme on va dire, ça a fait l'autre bois. Mais ce monsieur était dépassé par les événements. Mais en ce moment-là, là, tout le monde s'est au devant. C'est des gens qui. C'est des mandants que vous avez. C'est vous qui avez voté. C'est vous qui avez voté. Vous venez. Faut que vous qui t'a chiche, parce qu'on prend un pète. Pour que vous ayez l'argent dans le monde. Et que c'est une question de distribution. Mais vous devez partager ce que vous avez, parce que vous avez été élu. Puisqu'on est élu, on vous donne ça. Et bien, ce que vous avez reçu, vous devez pouvoir le partager. Non, par exemple, Genèg, ou par exemple, je dis à Capdou que oui, et il faut que, et je ne dis pas que par rapport à la grille de salaire dans le pays, je ne dis pas que bien député pas au-dessus, plusieurs fois au-dessus de moyenne, non. Mais cependant, c'est des gens quand même qui ont des responsabilités. C'est des gens qui doivent rencontrer. Oui, mais, gens, mais en tant que homme. En tant que homme et femme d'État. C'est entre... Oui, mais ok. En tant que homme et femme d'État, approche-là, t'as supposé permettre que gagner... En tant que homme et femme, avez-vous mis des menaces de l'arrière? Non, ça me bat qu'on est même en tant que homme et femme d'État. Non, en général, lui m'a parlé, par exemple. Ah, ok. Pas ou même, bah qu'on est. ça, en tant que homme ou bien femme d'État... Approche-toi contre qui Jean Boulier, c'est créer condition pour que Mounio joigne travail, créer condition pour que l'école mette en d'un pays, créer condition pour que gagne infrastructure. Avec ça, il y a sollicité nous moins. Parce que ça. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. Je crois que, il y a eu pas mal d'écoles qui tapent, par exemple, de 86 ans à aujourd'hui, même si pas un gros effort économique qui fait, mais il y a eu quand même pas mal d'écoles qui ont été construites, etc. On dit qu'il faut qu'on fait tout ça, mais il faut encourager le secteur privé à investir. Par exemple, c'est le secteur privé à quoi investir dans le pays, qui vous permet qu'il y ait des emplois un peu partout. Parce que l'État, lui-même, si ça l'État qu'a fait, sinon que des petits jobs à travers l'administration publique là, après ça va gagner encore. Donc c'est le secteur privé qui doit avoir confiance, par exemple, que l'elle investit, et bien ça l'investit à. Non seulement lui-même la tire un avantage là-dedans, mais en même temps tout la permettre qu'il y a des gens qui trouvent du travail. Et à partir du moment qu'il y a un espace de sécurité, qu'il y a un espace de confiance qui est installé dans le pays, donc à ce moment-là, vous devez encourager les gens à investir. Mais si par exemple, je dis à là, pour n'importe rien, ou bien si vous tout ça en face là, on est décidé, il vient avec des galons de Niboulel, ou à ce moment-là, et qui était au galien pour l'autre après ça. Moi, je crois qu'il faut finir avec cet espace de peur. Il faut encourager les gens aussi à mieux se solidariser entre eux. Il faut nous encourager pour nous partager avec l'autre ce qu'ils ont, mais en même temps, tout pousser vers la construction, justement, de création d'emplois. Mais pour qu'il y ait création d'emplois, il faut qu'il y ait un espace de confiance qui est installé dans le pays. Parmi moun qui était sous liste et dernier liste et carré final là pour remplacer Jacques Guy Lafontaine. Bon regarde qui est qui était choix par sénateur Richer, Ignace Saint-Fleur, Hubert Antoine, Edgar Leblanc fils, Jean Rissien. Bon, bagadou ça parce que j'ai jamais été informé pour me connait qui est qui était sous liste parce que chaque jour même mon nom de nom figuré. Donc, non, ça, Aïnek a mis non sous folie. Non, ça, c'est non. Aïnek a mis non sous folie, sénateur. Le président de la République, c'est lui, quand il n'y a pas au Parlement une majorité, si vous désignez le Premier ministre, lui, il désigne le Premier ministre.
bien sûr, il le fait en consultation avec les deux présidents du Parlement. Ce qui a été fait, il a choisi son premier ministre. Maintenant, tout ce que je peux jouer comme partition, par exemple, si le président allait choisir M. X ou Y, ou bien Mme X ou Y, d'ailleurs, il doit demander de me penser. Mais je ne suis pas la seule personne importante de ce pays à qui on peut demander ça. Il y a l'autre monde qui est capable de faire des mais maintenant, Président, arrête là. Sénateur. Je les connais tous. Bien sûr, tout dit, qui est-ce mon décagon préférence? Bon, c'est clair que préférence, c'est plutôt le rester dans le cœur, moi, pour qu'ils s'en voulaient me douler. Alors, que, et je pense que c'est l'image qui excusez-moi, je vais continuer honnêteté dans le cas ça, sénateur Richer. Non, puisque dans quatre noms, ça n'est pas supposé qu'il y ait une réflexion pour qu'on qui est-ce pour dévler, sénateur. Non, il n'y a pas eu quatre noms. Je n'ai pas été informé. Mais c'est moi qui ai quatre noms. Sénateur, c'est moi qui ai quatre noms. Écoutez. Sénateur, moi qui ai quatre noms. Écoutez. Nouvelle, yo, généralement, il y a un pile là-dedans, qui a dit yo fake. Ça veut dire que yo pas bon. Donc, vous ne pouvez pas connaître, effectivement. Si j'étais informé, j'étais dit que Edgar Leblanc et Bagay. Bon, étant donné que je sais qu'un parti comme OPL, son parti qui a un programme politique, son parti, et vous connaissez Edgar Leblanc tout, comme le monde, c'est un rare citoyen haïtien, que je vais mettre même sous bois pour me faire couper même. Pour me dire que ce monsieur, il n'est pas dans la corruption, c'est pas quelqu'un de clair, c'est quelqu'un. Oui, je peux le faire. Ça veut dire, dans le cas, ça tape toujours Edgar Leblanc, il tape choix, moi. Mais cependant, c'est pas moi qui est élu. C'est pas moi qui a décidé, c'est-à-dire, c'est le président de la République qui décide de son premier ministre. Donc, s'il estime, après consultation, que dans le niveau situation, il y a, c'est à cette personne-là que le doit aller, qui permet que dans certaine stabilisation, que qu'on certain esprit de vivre ensemble, commence à renaître dans le pays, bien tant mieux. Eh bien, qu'il aille dans cette direction-là. Ok, d'accord. Maintenant, moi, c'est pas moi qui va le décider pour me dire que maintenant, okay, d'accord. Arrêté, etc. D'accord. Maintenant, qui sa appréciation y est de Jean Risséan? Écoute, Jean Risséan, c'est quelqu'un que je connais. Ça fait longtemps que la milité, il a été plusieurs fois candidat à la présidence. Mais Jean-Henri Séan, jusqu'à date, c'est un homme qui menait un bagage, une activité, une capacité professionnelle, personnelle. Maintenant, mais il voulait aspirer à la première magistrature de l'État, c'était pour servir. Aujourd'hui, eh bien, les circonstances lui donnent cette opportunité. C'est à lui de prouver à la population haïtienne ça le café. Parce que je dis à là, si effectivement il voulait, il a été candidat à la présidence à Deauville, bon, ça va marcher pour lui. M'pap dit c'est parce que population va voulu de lui. M'pap dit ça. Ça n'a pas marché. Élection, c'est qu'on s'allait. Et ben, il va passer, j'en vais passer. Ok. Mais maintenant, voilà que par la force des choses, il vient d'être désigné comme premier ministre. Eh bien, c'est lui qui va devoir prouver à la population haïtienne qu'il était sérieux, qu'il était honnête, qu'il était sincère, qu'il avait effectivement compris que la population haïtienne a besoin d'un support sorti dans mes à partir de 500 têtes. Eh bien, excusez-moi, on va voir si effectivement c'est à lui de le prouver. Maintenant, le Parlement, puisqu'il doit passer par devant le Parlement, j'aurais souhaité que le Parlement comprenne qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à éterniser parce que il y a toute une série d'échéances devant nous. S'il y a moyen, on peut lui faire confiance, lui donner la possibilité d'accompagner le président de la République, le peuple haïtien, actuellement, pour que normalement, il y ait un petit calme qui et où qui relance l'économie qui fait, eh bien, je les encourage à aller au plus vite. C'est tout ce que je peux dire, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Puisque je n'ai jamais fonctionné
tu vois, d'une manière étroite avec M. Séan. Je sais qu'il a des idées pour le pays. Maintenant qu'il a cette possibilité de le prouver, eh bien, qu'il le fasse. Ok. Maintenant, gagner un pile débat qui fait sur possibilité pour que le gouvernement monte sans que pas gagner interférence parlementaire. Ça, c'est presque un vœu pieux, dans la mesure où, déjà, même si au niveau du Sénat, gagner une possibilité pour que discussion faite d'acadie sur une base institutionnelle, au niveau de la Chambre des députés, elle paraît différent, puisque déjà, il y a des groupes de députés qui étant exigés clairement, eux-mêmes, ces postes pour rejoindre. Par rapport à ça, qui sont pensés que tu as fait pour arriver, d'acadie, pour séan jouer dans mi-temps entre les gens qui veulent. Faut que c'est institutionnellement que bah la tranchée, ou bien faut que c'est job, faut que c'est poste ministère, poste direction générale, poste secrétaire d'État. Bon, je pense que l'ENAP fait les types de nouvelles erreurs, parfois dans le là-dedans, qui faux et qui pas vrai. Ça veut dire que, même quand on entend, par exemple, les négos que le gouvernement a monté, les rapports des paillots, etc., parfois, c'est des paroles mensongères que oui. M'a dit pas qu'un nègre qui est activiste, qui est capable de. Bon, Kapo là. Sénateur, bon, Kapo. Sam Djoula là, m'a fait spéculation. Moi, bon, ou on a vu les quels, ça c'est où? Bon, on va dire qui est vrai. Moi, Djou, actuellement, dans la négociation. Djou, il y a des groupes de députés. Cap exiger non seulement poste mais l'argent ça on met quoi avec on t'a dit à 3000%, OK, bon, réagis sur ça habitu ça vrai on met réagis sur pas spéculer bon, mettre réagis sur ça même penser que et les députés sont des élus du peuple, ils représentent le peuple là, quoi que ils comprennent aujourd'hui dans cette situation pays là, ce serait à mon avis tout a dit mien nèg qui campait en croix qui dit si yo pa bay ou ça yo pa pa rempli devoir parlementaire pour lequel que y a payé yo et que à ce moment là vraiment dégradant déshonorant et me pas quoi que je dis moi je regarde j'ai consulté j'ai parlé avec plusieurs députés me pas quoi gagner que dans niveau ça moi que je dis l'heure est au sacrifice et au travail et à l'esprit de responsabilité. Et c'est vrai que M. Séan vient d'être désigné par le président de la République. Il n'a pas une majorité, peut-être, à la Chambre des députés. Mais par contre, la population haïtienne a une majorité. Et cette population doit pouvoir demander aux députés de faire un sacrifice d'accompagnement pour qu'il y ait une certaine stabilité dans le pays. Eh bien, si c'est le choix du Premier ministre, qui va peut-être apporter cette garantie, eh bien, les députés doivent faire l'effort. Même, et mais en même temps, tout. M'badare, mais peut-être les appelants, ces nouvelles, ça, eux, comme ça, de reprendre tout le monde, ils mettent dans le même panier. M'badi, pas gain, peut-être, ou pas joindre une ou deux, trois députés qui ont fait du marchandage. Mais quand même, aujourd'hui, la patrie se trouve à un carrefour où tous ces enfants sont importants. Et que, normalement, les députés doivent comprendre que il faut que cela, la situation soit débloquée au plus vite. Et je crois que, contrairement à des nouvelles comme si, comme ça, dans l'aria, les gens seront étonnés de voir que si effectivement M. C répond à tout critère que vous demandez, avec qui facilité qu'il va le passer en bas, parce que tout le monde aimerait qu'il y ait un espace d'apaisement actuellement dans le pays, et si c'est un peu le faire, eh bien, qu'on lui donne sa chance. Ok. Maintenant, gain mise en place, c'est pas le fait au niveau du gouvernement et pour être capable d'arriver constituer nouvelle équipe. Là. Je dis, hein, en tant qu'homme politique, qui ça vous pensez que c'est un t'as supposé gagner, m'daka dit dans Diakoutli, pour permettre que, pas seulement convaincre parlementaire, mais pour convaincre pays. Là. Moi, Dili, et je crois que ça permet, vous savez d'où vous allez, vous commencez à dire, vous dites, Nabil Souli. C'est que, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un bagage qui est important pour nous comprendre. Là, nous parlons, par exemple, de
pas dit échec là comme Tindadou au sens absolu, non. Mais quand même, notre gestion a été quelque peu catastrophique jusqu'à date. Je dis à la même pensée, faut que nous fassions tentative de voir est-ce que si nous t'a essayé avec un gouvernement de consensus, la présence même de M. Seyan en tant que Premier ministre Seyoun, si M. Seyan peut faire une ouverture, mais avec un programme cohérent, une feuille de route correcte, même pas si c'est ça que tout à fait, et continuer maintenant avec le programme lancé par le président, qui c'est cette affaire de État généraux sectoriels, même si puis devant, nous arrivons à un rassemblement national, que nous sommes capables de conférences, etc. Mais il faut que tentative de dialogue d'ailleurs lui poursuive. Je crois que je dis à M. Seyan, s'il arrive à passer cet étape au niveau du Parlement, il doit se mettre au travail pour la formation, pas seulement au niveau des ministres, mais au niveau aussi des directions générales, un peu partout à travers le pays, type de relations que vous avez avec les mairies, type de relations que vous avez avec les délégations, tout bagaille ça, pour que normalement, vous portez quelque chose de nouveau et d'apaisement dans le pays. Pour l'instant, c'est pas ça qui est important. Okay. Alors, le choix a été fait, que M. Seyan fasse preuve de sa capacité à la fois intellectuelle et patriotique. Parce que patriotique pas veut dire être de gauche. Patriotique veut dire, eh bien, assumer ses responsabilités envers la nation. C'est-à-dire assumer ses responsabilités envers les populations vivant sur le territoire. Je dis à la même pensée qu'il doit faire montre d'un effort patriotique pour que normalement il aille dans la direction de concert avec le président vers la formation d'un gouvernement de consensus. Et c'est ouais, qui ça, tel groupe dans la société a capoté, et puis faire une feuille de route, un programme cohérent pour nous aider si nous avons croisé et situation difficile ça que en pile mon a vivre là dans le jodia pour nous au moins améliorer dans un premier temps et puis pour que le travail là poursuive à travers ce dialogue permanent des états généraux etc. On faut y anticiper un dossier qui pral d'accadie servi d'épine c'est Petro-Caribé d'accadie que société a attendre un effort dans ça. Pour une rare fois, le président Jovenel Moïse est venu sur question ça et il y passait des consignes et pour que si c'est un bon pour monsieur al permettre que dossier ça il aboutisse en termes de procès. Et on prend pour acquis que sa président Diaz il pensait véritablement et est-ce que vous pensez que c'est un gain suffisamment de points pour l'attaquer dossier pour ces Caraïbes effectivement. Mais je suis bon. Moi, j'ai toujours cru que, contrairement à ça, je me suis dit la radio, les rares fois, deux ou trois fois, je me parlé avec M. Jovenel sur question Petro-Caribéa. Le sentiment, c'était toujours ça, c'est-à-dire que, il était dit que le pavé et prend problème par la gauche comme ça pour créer plus de confusion, qui était bagarre la fait chemin. C'est pour cette raison que ça a été au Parlement. Le Parlement, il retourne le bail et pour subir des comptes. Maintenant, dossier a fait chemin. Maintenant, qui a un nouveau Premier ministre? Ce nouveau Premier ministre, s'il a dit qu'il va donner, permettre, pas dit donner, non, en permettre au nouveau Premier ministre, c'est-à-dire au nouveau gouvernement, de se mettre au travail, et de se mettre au travail pour que normalement, pas dit un procès, ça va dépendre à qui ça va arriver. Parce que non, pile bagaille, c'est pas forcément c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu, et moi-même toujours dit, du jour dit à la première là, quel que soit nègre, Valérie Numarizé, président de la République, ou lagué $1 milliard dans le mail du pays, eh bien, Gagot a fait là, n'importe 500 millions pour qui ça, parce que tout simplement que c'est forme de gestion pays à l'audia qui pose des problèmes, qui fait que. C'est pas seulement question de corruption, c'est parce que le pays a géré système organisationnel là qui bat le problème. Et je pense que je dis, c'est à travers justement l'État généraux, à travers justement
décortication qu'a fait de problèmes pays pour nous arriver à une solution. Moi, je crois que, est-ce que c'est pas si CEAN a bien capacité, c'est est-ce qu'il a bien la couille pour le faire. C'est-à-dire, en tant que citoyen, vous le dites, bon, avançons sans frayeur. Mais maintenant, vous pensez que, mais en même temps, tout, vous pas gérer un pays en tête chaud, vous pas gérer un pays en voie slogan, jour et monde dit tintin, ou gérer un pays avec les lois de la justice, ou gérer un pays avec les représentations de citoyens. Ça veut dire, l'autre grand monde, par exemple, bon, garantie, ouais, tout le monde qui a participé au Caribe, pas cause de population, je m'arrive à comprendre, puisque par exemple, il y a un pédagogique qui fait pour expliquer effectivement. Comment que, effectivement, si dilapidation il y a eu, mais comment faire? Même pas ce que je vous dis, hein. Mais sénateur, est-ce que entre nous, ou pour un exemple tracé dans la question de l'argent Petro-Caribéen, au moins? Pardon? Est-ce que pour un exemple tracé, au moins? Si vous avez un exemple qui tracé? Est-ce que ou pour que vous avez un exemple, au moins, qui tracé dans l'argent Petro-Caribéen? Mais effectivement, si effectivement la justice se met en branle, et que gagner dilapidation, on arrive à identifier les individus, ils doivent payer pour leur forfait. Moi, je crois que c'est normal. Mais par contre, il ne faut pas profiter de ça pour inciter les gens à acheter à eux ou une autre. Parce que c'est pour nous chercher bagayo. C'est pour ça que nous avons des hommes instruits dans le pays, au niveau de la justice, qui ont assumé les responsabilités, qui ont fait des enquêtes, pas des enquêtes qui parlent maintenant dans le bagay et chicanerie, mais des enquêtes solides à caractère scientifique. Parce que, si on prend, je dis à la, on prend Jean-Pierre à fonctionner là. Bon, regardez par exemple, l'équipe chaud devant Ban, Cap 12, C6, c'est là, etc. Bon, généralement, demande-leur comment est leur fonctionnement personnel. Bon, même pas aller dans le logique, parce que m'estime que c'est pour nous quitter la justice, ce travail-là. Je dis à la, si effectivement il y a moyen d'introduire un procès, que ce procès soit équitable. Et s'il le faut, il faudrait peut-être même faire appel à des consultants de plus haut niveau pour que normalement le fait, mais pour que ce n'est pas une sorte de chasse aux sorcières, de jouement, etc. Celles qui volaient, même pas de voler, etc. Mais sénateur, est-ce que vous n'avez pas trouvé que c'est très paradoxal que Haïti toujours sous liste mauvais élève dans la question corruption, et bien nous par exemple, il y a un exemple. Quand on va se trouver à New York, là, New York a arrêté un député, et pour une question de trafic d'influence, une question de mauvais comportement dans la question et industrie ou bien entreprise, li, gon quantité de dispositions qui prennent un paquet de pays. M'a regardé un nèg là qui en Argentine d'ailleurs devine en Haïti, monsieur gon quantité temps pour le faire pour prison pour question de corruption. Yo fait dans tout pays mais moins Haïti. Est-ce qu'on pas trouver que là gon bagaille gon bagaille pas marché? Bon, pas croire que yo c'est en Haïti au pas fait, même à don bagaille. La corruption est quelque chose de généralisé et c'est vrai que qu'il faut mener un combat contre la corruption. Parfois, il y a une série de pays qui ont des exemples juste pour emmerder les petits pays. Parce que je dis à la même réponse que aux États-Unis, par exemple, tout mon pays, c'est pour les États-Unis, et que la corruption atteint un niveau tel aux États-Unis, et c'est peut-être fouillé pour t'aller fouiller, mais ça ne va pas permettre pour qu'on ait un niveau pays corruption, même parce que il y a plusieurs cas, par exemple, qu'on y veut sortir pour qu'on ait. Vous montrez dans quel niveau corruption est. Moi, je pense que faut que nous pas toujours cacher que nous que, et voilà, et c'est la paix. Nous-mêmes, c'est pour nous chercher pédagogie par nous, pour nous mener combat contre la corruption. Parce que, et niveau corruption qui gagne dans le pays, pas même niveau avec pas nous. Parce que, pas nous, là, on est sans corruption, vol, on roule l'argent dans le pays d'Haïti. Il a affecté un pile monde. Mais l'autre bord, les nègres ont fait corruption, eh bien, ils ont presque pas elle parce qu'ils ont tellement gagné l'argent. Alors, même dans ce sens, je dis à mon frère, c'est que c'est vrai. Le combat contre la corruption, contrairement à ça, on dit, l'a mené dans le pays. Mais,
ou pas capable de faire comme si nous avons comme une sorte de chasse à l'homme. Ça veut dire que passé un tel, en nous prenant, le président Aristide est parti en 2004, et puis il y a eu le gouvernement de la torture. Premier baïne qui fait, ils font une commission pour étudier, par exemple, les dégâts causés sur l'économie haïtienne. Il y a eu un rapport, mais le rapport n'a pas jamais vu une solide. Maintenant, et après la présidence de M. Mazelli, et présidence de M. Préval, il y a eu, par exemple, des troubles au niveau de ce fonds Petro-Caribé. Bon, il y a eu des mots qui sont sortis à la radio, mais ce n'était pas pour attaquer le gouvernement de M. Aristide, même pas le de M. Préval, c'était même pas le gouvernement, c'était pour attaquer Mme Pierre-Louis elle-même. Bon, bah elle a arrêté, parce qu'il va bien. Mais depuis nous, depuis il n'est pas institutionnel, depuis nous personnalisé, le conseil a toujours passé comme ça. Donc c'est comme ça le fait. Alors je dis à moi, je pense que pour que normalement bagaille pour structure institutionnelle. Oui, mais attends, sénateur Richer, mais institution où là, oui. C'est institution soit qui n'a pas fait travail, ou bien pas mettre en condition pour faire travail. Bon, là dans les c'est négio qui là dans l'an, par exemple, c'est individu, tout, pour individu apprendre à assumer les responsabilités, ou pas qu'à dire tout temps, c'est une condition, ou pas mettre, yo mettre au nom de Dieu, c'est pour faire travail. C'est pour ça que vous êtes directeur, c'est pour ça que vous êtes inspecteur, c'est pour ça que vous êtes Macron et ça, ou mettre au fer, c'est pour assumer. Mais depuis que vous êtes dans le job là, le pépé deal. Le pépé deal, et puis le quitte nègre a fait tout d'abord qui gagne. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, renforcer les institutions, commencer aussi par les gens qui sont à l'intérieur de ces institutions, qui supposent ramasser caractère, qui supposent comprendre que ces citoyens à part entière et non société, et que à tous les niveaux, ils ont capoté la constitution. Pour qu'ils soient ouvrés, toute la journée, sont des gens d'âme qui pour dehors, qui pour confondre les bagages. Mais non, aujourd'hui, en tant que citoyen, vous devez reconnaître que si vous songez, quand le président de la République avait dit soit en France, machin et frère Zanon, il s'est dit qu'il y a des juges qui sont corrompus. Je fais le nom. Les gens là sont corrompus, il y a des gens qui sont corrompus là-dedans. Mais ça existe. Il suffit de voir comment les choses fonctionnent. Mais les paysans ont pris ma réponse à qui lancer. Ou même dans le système, il faut ramasser caractère. Mais ramasser caractère là, ce n'est pas abus pour le faire. Ça veut dire que ce système là pour améliorer, ce système là pour faire fonctionner bien. Et je dis à moi que. Il y a des efforts qui ont fait dans ce sens-là, et nous espérons que, une fois que M. Séan, s'il trouve la bénédiction de ces messieurs en bas au Parlement, et bien à ce moment-là, il va se mettre au travail, mais c'est pour nous faire, en tête de poser, c'est pour nous faire, en tant que pays responsable, citoyen responsable. Alors, et est-ce que nous avons présenté la réalité à la, c'est dans ce sens-là, dans l'audition un confrère que en Haïti il y a deux qualités pour gagner pour vivre, ce soit ou malandré ou bien sage. Ça veut dire ouais, moi bien content, moi attendre l'autre radio, c'est bien mon frère. Et bien justement quand, c'est ton ami là Wendell Deodo, qui m'a dit une petite qualité pour gagner, même parce que dans ce pays effectivement lui il avait employé le mot ferme, c'est-à-dire quelqu'un qui a du poing. Mais c'est ça le dévelé lui-même. Moi-même, j'ai été dans la matrice même de la langue maternelle et ce que les gens écoutent, j'ai dit qu'il faut avoir un petit côté de malandrin, gérer avec malandrin, l'arrivée dans la position ça. Mais en même temps, tout, vous devez reconnaître qu'il y a une population de près de 11 millions d'individus, moun par exemple d'adab fragile, défavorisé, moun qui pas qu'on lit, moun qui n'en misère, moun qui pas un cas priorité. Donc, vous devez avoir un cœur aimant, et pendant que normalement on va mettre l'ordre, mais vous devez aussi avoir un cœur aimant. Mais en même temps, tout, il faut reconnaître que le pays a un pile malandrin là dans le tout. Par conséquent, il faut sévir avec les malandrins. Et ça me dit, il n'y a pas un autre bien. Ok. Pays a plus mon sage ou malandrin? Pardon? Pays a plus mon sage ou bien malandrin? Bon, je ne sais pas si je suis là, mais je tiens à la. Pour compter dans le sud-ouest, il y a des gens qui vraiment ont un bon comportement de responsable. Parce que, bah, ils sont tellement, comme si nous avons détérioré dans le pays, comme si nous avons
ou presque pas qu'à faire personne confiance. Et c'est pour ça que moi-même, je pense que je dis, le dialogue est vraiment important, parce que c'est à travers le dialogue national que nous devons connaître l'autre bien, et puis nous capables de faire confiance un petit peu plus pour nous fonctionner. Parce que le pays a besoin de tout. Donc, réponse à ce qui ça, il plus mal André. Il est. Donc, réponse à ce plus mal André. Bon, disons pas, je parle que le pays a besoin d'hommes, mais en même temps, il ne faut pas ignorer qu'il y a des malandres. Alors, au fait, peut-être. Parce que beaucoup fait. Ouais, vous regardez. sauf que ou même. Monsieur, si Monsieur Seyan arrive à passer cette étape-là, eh bien, il doit se mettre au boulot, armé de deux outils à là, à la fois homme de cœur, responsable, mais aussi l'équipable joué. Ok, sauf que ou même sénateur ou pas caché dit que ou mettez tous les deux costumes, ou mettez costume sage là si mon nan sage avou, ou mettez costume malandrien si mon nan malandrien avou. Il t'a supposé valable pour tout le monde, c'est ça? Il t'a supposé valable pour tout le monde. Pour tout le monde, ça dit tout le monde qui sage, tout le monde qui malandrien tout? Non, il peut être les deux à la fois, on peut être ange. On peut jeter mon aussi, mais cependant, ce que je veux dire, c'est que pour gouverner ce pays à la satisfaction de tous ses fils, il faut être véatif, vigilant, ferme, sévère et prêt à mener ce combat pour qu'il y ait une distribution équitable de même revenu que nous gagnons. Inconvénient gain, comme tu as parlé de questions institutionnelles, c'est un truc, nous allons finir. Où qu'on est. Il y a des gens qui ont des espaces de pouvoir, ils sont responsables des institutions. Chaque fois qu'ils assument une responsabilité quelconque, soit qu'on député ou bon sénateur qui t'aime, automatiquement, il a bloqué. Bon, ça, je connais ça, c'est un temps de ça. Et que parfois, il y a des interventions dans ce sens-là pour bloquer les bagailles. Mais c'est appel ça, Marie-Lé. Au renforcement des institutions. Il faut que normalement le Parlement soit renforcé, mais il faut que les parlementaires aussi aient lâché du lait pour ne pas intervenir comme ça. Parce que, en fait, le type qui est non responsable au côté de l'administration de l'État, l'IPE pour le parlementaire, et le parlementaire m'a dit non bagaille, l'IPE, et s'il pas exécuté pour le parlementaire, pas le fait plus fort sous lui. Mandé pour y révoquer. Et généralement, moun ta li gon ministre sous tête li, et ministre lan, ça veut dire que ni tellement jouen petit job la, le pepe til, et si yo til fait ça, le fait ça. Parfois, par exemple, même, maintenant le cas de la justice, il y a par exemple des juges, il y a par exemple des commissaires de gouvernement qui tellement honnêtes, qui tellement sérieux dans ça y a fait. Mais depuis, un député ou bien un sénateur qui ont un caractère malandrin, vous voulez révoquer pour le remplacer par l'autre malandrin. Eh bien, à ce moment-là, ça le fait. Là, il fait pression sur le ministre. Ministre même, puisque le ministre l'en fait pour ne pas convoquer l'en bas, premièrement, pour ne pas perdre du job, etc. Il va même voir une enquête pour le connaître. Si effectivement, vous avez son bagage et que vous l'avez dit, non, il va faire. Et puis, il y a des choses à fonctionner, vrai. Alors, à ce moment-là, moi, je pense que, aujourd'hui, son travail de sensibilisation pour faire, soit, du côté des parlementaires, vous connaissez que il faut laisser l'espace fonctionner correctement sans qu'il n'y ait pas besoin de faire des interventions aussi tapageuses, mensongères et j'en appelle là. Mais en même temps, tout, il faut que les responsables de l'État au niveau des ministères, pour qu'ils connaissent tout, qu'un job est quelque chose de passager et que si on a un job là, on fait, il faut faire avec équité. Il ne faut pas qu'ils se prennent pression. Parfois pour commettre des abus ou empêcher mon sérieux entre nos bagailles pendant que vous mettez à l'oufa. Vous ne comprenez pas. Je pense ça même parce que on est fort pour faire des deux côtés, son travail de sensibilisation, que la presse, au lieu de la presse, continue d'adou à arranger les parlementaires, mais que vous sensibilisez sur question ça à tout pour qu'on ait que voilà comment devrait être le comportement des parlementaires. C'est pas à faire pression
sous-ministre, sous-directeur général, etc. Mais par contre, c'est de voir comment que on peut consolider les institutions de ce pays pour que tout le monde soit capable de faire le service normalement. Mm-hmm. Dernière question, sénateur Richer, et gouvernement pour le monter et gagner un pile passé, mais pour le fait, sénateur Richer a toujours chité dans la gradance, monter vine dans le palais pour consultation, ou bien on, l'autre côté, vous pensez au cas servi, ou pas le servi dans le gouvernement cabinet? Bon, et d'avoir information, je me suis tombé de là, bien que je dis que Valérie, il y a un mot pas libéral dit dans ma yo, pas forcé comme ma, on est trop à blaguer, ma yo, dans mon frère. Intelligent. Intelligent. Si aujourd'hui, si c'est OPL qui est au pouvoir, ok? Mais s'il y a un gouvernement. Ou pas un problème parti pour le pouvoir même. Non, et non, c'est pas un problème de parti. Mais pensez que je veux dire, s'il y a un effort qui se fait pour améliorer les conditions de vie de la population, tout haïtien qui t'a aimé sa fête vraiment dans le pays, fait pour porter un coup de main. Et dans ce sens, merci beaucoup, sénateur. Continuez à manger. Continuez à manger l'âme véritable avec. Là où je suis, voilà. Avec. À qui sont plus aimés l'âme véritable là? Avec poisson salé? Hein? Véritable. Bon, là, c'est pisquette, vous connaissez. J'ai rien de pisquette, on a un petit pisquette, on va le battre là. Ok, d'accord. Ok. Navalé. Kembe là, oui? Hein? Kembe là? Et Navalé. Ok, vraiment. Bonne journée. Bonne journée, tout. Bye bye, tout le monde. À demain. C'était. Notre invité du jour.